J'avais besoin d'un bon bain. La patrouille du capitaine Balan a dû croiser des machines à cet endroit. Un des soldats Karja est mort. Les autres soldats ont dû battre en retraite. Mais où ? Encore, au moins, il n'a pas souffert longtemps. Ça ne peut pas être le casque du dernier soldat Karja. Il a failli se faire décapiter avant de prendre la fuite. Je dois me préparer. Il y a du sang partout. Une machine a traîné quelque chose jusqu'à l'eau. Mais il a peut-être réussi à atteindre l'île. Regardez-moi ces mâchoires.
Il couperait un dentier en deux. J'ai intérêt à me méfier. Cette machine a l'air coriace. Déjà plein. De la bibine. J'ai trop rempli mon verre, je vais finir par faire. Je pense à ces jouvencelles et je voudrais me faire la bête. Oh, ça... Je ne pensais pas être retrouvé. Encore moins par une Nora. Et je pensais pas trouver un Karja débraillé rond comme une queue de pelle. Je m'excuse pour ma conduite. Je me voyais déjà mort. Allez, ton commandant m'a demandé de te ramener au rempart. Pas question d'être accompagné là-bas par une Nora, comme un prisonnier. Bien, on rentre tout seul. Attends, écoute, je me suis fait attaquer par un carapateur. Il a dévoré mon armure et emporté mon arc. Ce monstre est encore dans l'eau. Je peux pas rentrer à l'avant-poste sans arme. Trouve mon arc, allez. D'accord, juste... Recommence pas à chanter. Duke. Ah.
Je risque pas de leur faire peur. Ça y est, je vais pouvoir filer. Voilà ton arc. Bonne chance à toi. Merci. Je voulais pas mourir en territoire étranger, comme les autres. Que le soleil éclaire leur chemin. Thank you.
l'odeur fraîche de la pluie. Lakir est revenu tout seul, en piteux état. Il a eu l'air gêné quand je lui ai parlé de toi. Tu m'expliques ? Disons qu'il chante bien. C'est le plus gros mensonge que j'ai jamais entendu. Je vais lui tirer les vers du nez. Il faut que j'y aille. Contacte-moi si tu trouves quelque chose sur mes hommes. Lakir est revenu tout seul, en piteux état. Il a eu l'air gêné quand je lui ai parlé de toi. Tu m'expliques ? Disons qu'il chante bien. C'est le plus gros mensonge que j'ai jamais entendu. Je vais lui tirer les vers du nez. À quoi sert cet endroit exactement ? Le rempart marque la frontière orientale du territoire Karja. Comptoir commercial, point d'étape. Il a plutôt mauvaise réputation dans ta tribu. Sous le dernier roi Soleil, beaucoup de Nora ont été faits prisonniers, puis rassemblés ici avant d'être envoyés à Méridian, pour être sacrifiés. Ce temps est révolu. Le roi Soleil Avat m'a nommé pour veiller à ce que tous les Karja de cet avant-poste respectent les Nora. Il faut que j'y aille. Si tu vas vers l'est, essaie de retrouver mes hommes. Il paraît que les femmes savent se battre chez les Nora. Je ne veux pas d'ennui. La neige est glacée par ici. Thank you.
Le monde au-delà des terres sacrées. Je dois trouver Olin et apprendre tout ce qu'il sait. Qui étaient les tueurs? Comment ils m'ont vu dans son focus? Qui est cette femme? Celle qui me ressemble. Pourquoi ils veulent ma mort? Les traces d'Olin mènent vers Méridian. Quand je l'aurai, il parlera. Et il paiera pour les vies qu'il a ruinées. Femmes dans le pavillon des chasseurs. Si ça continue, elles vont finir par diriger la guilde. Les Banouks ont un style très agressif. On a tous notre place dans l'ordre des choses.
Il neige. Il fait pas très chaud par ici. Ça fait plaisir de te voir. Méridien. Je ne me verrai pas vivre ailleurs.
J'en ai arrêté deux pour trouble à l'ordre public hier soir. Je préfère pas te raconter ce qu'ils faisaient. Ce froid ne va pas faire de bien en culture. Aventure dans les terres au sud. Prie le soleil pour ne jamais tomber sur le gueule d'orage appelé Rouge Mort. Les années t'ont épargné. Je voudrais vivre sur des tas de ferrailles récoltées chez les anciens. À part les océrates, visiblement. Le soleil, je vais le bannir. Si le soleil le veut, le roi soleil nous sauvera de ce crépuscule que son père a engendré. Jiran a laissé la chance sur le trône, mais Avad essaie de le laver. Un bon coup de balai, et cet endroit aura déjà meilleure allure. Le soleil, je vais être vanné quand j'aurai fini.
travaille dur tous les jours, et je dors à point fermé toutes les nuits. Le roi Soleil Avad a rétabli le commerce avec toutes les tribus que son père avait massacrées. Un vrai miracle du Soleil. J'espère que tu vas bien. Je me sens tellement mieux quand c'est propre. Ça ne fait de mal à personne de transpirer un peu. C'est pas un boulot facile, mais au moins, j'ai pas à me demander si je vais pouvoir me nourrir. Je suis trempée par la neige fondue. Je me moque de ce que font les autres tribus. Moi, je m'occupe de mes affaires. Détendre quand j'aurai terminé mon boulot. Ilium a peut-être changé, on passe travail. On fait tout un plat des océrames dans l'Ilium. Moi je me lève, je vais travailler comme d'habitude. Facile, mais au moins, j'ai pas à me demander si je vais pouvoir me nourrir. Je me moque de ce que font les autres tribus. Moi, je m'occupe de mes affaires. Monte dans la hiérarchie du pavillon des chasseurs. Eh bien, le monde change. Ça ne fait de mal à personne de transpirer un peu. Je vais dormir à point fermé ce soir. Océram devrait inventer un gadget pour faire ce travail. Les Océram devraient inventer un gadget pour faire ce travail. Reste sur tes gardes. Yavad n'a pas le cran d'achever ces traîtres de Brunant. J'ai dû prendre le tour de garde de mon frère aujourd'hui. Il est encore parti compter fleurette à cette noble. Thank you.
travaille dur, tous les jours. Je dors à point fermé toutes les nuits. Ça m'aidera. Mm-hmm.
machine charge, elle va tout aplatir sur son passage. Je peux plus tirer avec ça. C'est Ram qui sème le trouble. Je l'ai surveillé. Passe ton chemin, t'as rien à faire ici.